C'est l'Austral, les zingues. L'Austral en slip devant sa télé. Pour la suite de son aventure suivie sur King Kong. Il est 16h52, je suis complètement brayé, complètement bourré, complètement pété. Ah, qu'est-ce qu'on est bien cotonné, complètement plein, et l'abus d'alcool est dangereux à la santé. Toujours est-il que... oh putain, ça commence bien. Je vous avais laissé avec un épisode 4 des plus, comment dire, des plus folkloriques. Donc nous voici sur l'épisode 5 de cette aventure suivie sur King Kong, épisode spécial Brontosaure. Les Brontosaures, c'était, moi j'avais appelé ça des Brachiosaures de la famille des Brachiosus. Je ferme les volets, je suis à vous dans un instant. Eh ben, Dena, tu filmes pas. Si je... Il va falloir traverser. Oui, oui, bien sûr. Il y a un passage en face. Sur les jeux sombres à la con comme ça, quand t'as le volet allumé, enfin le volet allumé, oula, le volet ouvert, tu vois rien, parce que t'as le reflet du soleil dans la télé, tu vois tout ça. Je suis dans une caverne humide, hop, je me retrouve directement nez à nez avec le trou de balle des Brachiosaures, de la famille des Brachiosus. Ah, je vais me faire écraser, putain, je me suis fait écraser, en fait j'étais en train de boire un coup, c'est pour ça que je me suis fait écraser. Voilà, je gérais le son et là on est pas mal. Des Brachiosaures, c'est quand même impressionnant. Ah, c'est... Bah, en fait, à cette période là de l'année, ah, le mec, en fait, ce qui te choque, c'est pas de voir des Brachiosaures, mais c'est de voir des Brachiosaures à cette période de l'année. Ah, tiens, le mec. Ah, quelque part, ça m'impressionne. Hein. Leur vision est basée sur le mouvement. Ah bah comme n'importe quel être vivant, espèce de connard. Ah, ça m'a toujours fait rire ça dans Jurassic Park, tu sais. Le mec, t'as le T-Rex en face, et t'as l'autre connard de scientifique. Le mec, il est scientifique, donc il sait de quoi il parle, parce qu'il est scientifique. Ah, s'il avait pas fait des études, il saurait pas de quoi il parle, tu vois ce que je veux dire. Et le mec, il lui dit, leur vision est basée sur le mouvement. Tu sais, en parlant du T-Rex. Comme tout le monde, quoi. Comme tout le monde, je veux dire, il y a un truc qui bouge, tu le vois, quoi, logiquement, quelque part, j'ai raison. Alors que je passe entre les jambes de ces saloperies. Alors, il n'y a pas de bouton pour sprinter, je vous le rappelle, ça sert à rien de me hurler de sprinter dans les commentaires. Je suis pris au dépourvu entre les jambes de ces salopards, ça sent la merde et le crottin. C'est bon, ça passe. Jack, suis les brontos, j'ai repéré du feu plus bas. J'ai repéré du feu plus bas. Plus bas, donc là-bas. Bah ouais, en fait, plus bas pour moi, c'est là-bas. Là-bas, c'est plus haut. Et là-bas, c'est plus bas. Mais il m'a dit, suis les brontos. Donc je vais suivre les brontos. Quelque part, il faut que j'y suive. Donc. Ah, je me rappelle. Faut que je ramène du feu petit à petit. Ok. Bah c'est tout un parcours du combattant, il faut que je ramène du feu jusque dans des vasques. Parce que ces vasques là sont le seul moyen de sauvegarder le feu en fait. Donc il faut que je me faufile entre les jambes de ces saloperies. Ça passe. Oh, je prends des risques inconsidérables, mais c'est pour vous rajouter un peu de suspense sur l'alternative. Ouais, carrément. Ouais. Bah attends, parce que là j'ai combien de chargeurs en réserve? 5 chargeurs en réserve. 5? Et là-dessus j'ai combien? 2 chargeurs en réserve. Ok, bah écoute, prends ça et prends ça. Réfléchissons. Donc ici c'était juste pour avoir un fusil à pompe. Là il y a un truc ici à faire cramer. Oh la vache. Ok. C'est par là-bas que ça se passe. Dépêche-toi. C'est un passage qui est pas facile, je m'en souviens de ce passage là, donc si je m'en souviens c'est qu'il était pas facile. Pourquoi? Parce que je vais me faire attaquer par des... comment on appelait ça déjà? Des Vélociporus. Quelque part ils vont pas tarder à m'attaquer ces saloperies, donc regardez, il y en a une là. Voilà, ça arrive. C'est des rangs. Oh saloperie. Merde. Ça vous touchote ça?
Et en plus c'est des grands. Donc là je suis pas rassuré. Là je suis pas rassuré. Il me faut du vin. Il me faut du vin. Bois du vin. Austral. Bois du vin. Respire. 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 Voilà. C'est bien. Là t'es bon. Ah, l'Austral qui accouche. Allez. Je te dis pas la gueule du môme. En fait c'est ça le problème. C'est qu'ici on se fait attaquer par des vélos super russes. Mais on se fait, il faut également faire attention à ces saloperies là. Parce que eux ils font pas attention à nous si vous voulez tout savoir. Pour ça il faut gérer le truc quoi. Faut que je trouve du feu. En plus ils commencent à être excités là, ils commencent à aller de plus en plus vite. Merde, ça arrive. Ça arrive. Au dernier moment. Vas-y, fais-toi écraser. Pourquoi il prend pas de dégâts? Là, il a pris des dégâts. Ici, il y a un truc pour se réfugier au cas où. Une excellente chose. Par contre, je ne crois pas avoir eu de point de save. Attention, ça arrive. Vélo super russe détecté grâce à la musique. Elle est où la musique? Enfin, le vélo super russe, il est où? Je sais pas où ils sont ces saloperies. J'ai peur parce que je sais pas où ils sont. Ah, ils sont pas loin, mais où? Ah putain, j'ai pas envie de sortir de là quoi. Mais ils sont où ces connards? Ok. C'est le tour ou pas? Non, c'est pas assez intelligent pour faire le tour. Ah vas-y, j'ai pas envie de sortir, moi j'ai trop peur là. Allez, viens là. Viens là. Viens là, ma belle. Allez! Ça vient. Oh putain de taras. Ils sont où? Putain, c'est horrible. Voilà, c'est chiant, je me fais tout shot, alors merci quoi. Vous êtes en train de dire, vas-y, sors, on se fait chier, nous en tant que viewers. Nous on se fait chier. Ouais, mais c'est pas vous qui êtes à ma place. Moi je flippe, je balise. Voilà pourquoi je voulais pas sortir. Voilà. Hein? Ah, vous êtes marrants, vous les viewers. Vous vous en foutez, c'est pas vous qui jouez. Hein. Ah putain. En plus, il est pas mort quoi. Pas mort, puis il est reparti dans les ténèbres cet enculé là. Ah, mais ça, c'est bien les viewers. Ah, ils sont là, ouais, vas-y et tout. Nous on se fait chier, y a pas d'action, dépêche-toi. Ouais, bah c'est pas toi qui joue aussi. Hein. Alors que j'aille courir prendre ça là. Ça arrive. Voilà, il y en a partout. Il y en a de tous les côtés. Embuscade. Ah, ça le prive. Allez! Mais il me gonfle, il joue avec mes nerfs aussi. Il joue trop avec mes nerfs, quoi. Regarde là où il est, là-haut, ce fils de pute. Mais viens pas! Oh, ce guac, c'est un petit bébé. C'est un petit bébé. C'est tout ce qu'il y a? Non, il y en a d'autres. Écoutez la musique. Voilà. Incroyable. Genre, ils peuvent pas rentrer là-dedans alors que si, en fait, en vrai. Ouais, c'est pas grave, vas-y, on s'en fout. Je viens d'ici, moi, c'est ça, hein. Je sais pas, j'ai la fâcheuse impression qu'il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Ah, j'ai trop les boules. Je te jure, j'ai trop les boules en fait. C'est pour ça que je sors pas. Allez, vas-y, go. Je vais aller là-bas. Ah.
Bah j'avance parce que c'est parce que vous me hurlez d'avancer, c'est pour ça que j'avance. Moi j'ai trop peur. Moi. Faut que je monte là-bas en fait. Faut que j'aille dans cette direction là-bas. Vous voyez, il va falloir que je ramène le feu à tous ces stats, à tous ces trucs là. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. Est-ce que j'ai le temps de me boire un petit verre? Je sais pas si j'ai le temps de me boire un verre. Le feu il est où? Je le vois pas. Cours Austral, cours, 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 cours Austral, cours. Il y a une saloperie ici. Cours Austral. C'est horrible ce passage. C'est un des pires du jeu, je me rappelle dessus là de toute façon. Je me rappelle comme si je l'avais fait. Il y a le feu qui est là-bas. Par contre il y a une saloperie ici, elle est où? Elle est là. Garde-la. Pourquoi elle prend pas de dégâts là? Elle devrait prendre des dégâts là. Non mais c'est de la triche, vas-y c'est de la triche. Elle devrait prendre des dégâts, c'est tout. C'est comme ça, c'est pas autrement. Saloperie, va. Y'a que lui là, il n'a pas l'autre. Puis il est barré ce con là, il est barré, il est barré, il est barré. Ah, j'ai compris quoi. Horrible cette situation. C'est une situation des plus horribles. Ah putain, le bruit est pas loin en plus. Hein. Ah vas-y. Oh je l'ai eu. Non 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 non. Non. Il est où le trou? Je trouve pas le trou. Ah si le voisin m'entend il va se dire l'autre il a invité une nana chez lui. Merde merde merde. Ah ah. Non. Je crois qu'il faut que je recommence. Ça va je suis à côté. J'ai trop eu peur. Ah je vois trop la scène avec la meuf. Ah je suis encore là dessus moi. Le mec qui a panique. Ah je trouve pas le trou là. Non mais vas-y ils sont deux les gars quoi. Putain. Eh, j'ai rien fait moi. Vas-y venez bande de lâches. Va avoir une bande de lopettes. C'est des lopettes ça, c'est des lopettes. Bon à la preuve ils se barrent les mecs. En fait ce qui est horrible c'est quand on est deux. Regardez là j'arrive pas, voilà. Putain c'est horrible là. Ah sale petit pute. Allez. Genre il meurt pas le mec. Non mais je trouve pas le trou putain. Le trou il est tellement mince que quand on est de dos on peut pas le retrouver. T'es vraiment obligé d'être deux faces pour rentrer dans le trou. J'arrive pas à me remettre à couvert à chaque fois, c'est un truc de ouf. Il est où l'autre? Ah je peux pas, je peux pas, je peux pas, je peux pas. Putain mais c'est chiant. Come on, come on, you son of a bitch, come on. Oh, oh ça t'a fait tout drôle ça. Oh dans le cul. And I will spit on your grave, you son of a bitch. Give me that. Allez, faut que j'aille au feu maintenant. Y'a plus de bronchiosaure, brachiosus de la famille des bronchiosus. Ça n'existe plus, ça, y'en a plus là. Faut que j'aille jusqu'au feu à présent. Je trouve un chemin. L'eau. L'eau est la solution. Je vous rappelle que les vélociporus ne traversent pas l'eau. Ils ont peur de l'eau comme des chats. Non mais vas-y je me fais enculer aussi par le jeu là. Mais je m'en fous, t'as peur de l'eau de toute façon, tu traverses pas l'eau toi. Vas-y viens dans le feu espèce de saloperie là. Et voilà. Des questions. Y'a ton pote aussi avec toi? Ça sent bon. Ça sent la viande. La viande grillée est à point. Ah mais allez là, c'est pas marrant quoi.
Ça prend pas feu ça. Tu te fous de ma gueule? Ça prend pas feu ça. Alors comment je fais pour passer la flamme à travers le rideau de d'eau? Le rideau d'eau, le rideau d'eau, c'est un rideau d'eau. C'est un rideau d'eau, quelque part c'est un rideau d'eau. Ah, faut que je fasse le sniper quoi. Eh, c'est pas gagné, hein, je te le dis moi. Ça marche. Bon bah ça sert à rien de toute façon, elle va s'éteindre quand je vais passer le rideau d'eau. Le rideau d'eau, oui, bah c'est. Eh bah c'est. Eh bah c'est. Eh bah c'est un rideau d'eau. C'est un rideau avec de l'eau. Le mec il me regarde avec des yeux exorbités, il se dit mais qu'est-ce qu'il raconte comme connerie ce mec. Mais les Brachiosus sont où là? Je sais pas. Ah mais comment je fais pour passer là? Non je déconne. Ah c'est bon, je déconne. Ah putain l'autre, ça y est l'autre. L'autre il commence à s'enflammer là. Oh, oh, on n'achève pas les chevaux, mais les vélos super russes, on les déglingue. Voilà, il faut que je ramène la flamme comme un putain d'athlète des Jeux Olympiques. Comme un athlète soviétique aux Jeux Olympiques, c'est pareil, c'est le même principe en fait. Je vais la mettre là, ça me permet de la sauvegarder le feu au cas où. Par contre, à partir de là, ok, il y a une saloperie ici. Oh, ce guac total que je te mets. Oh, ce troll que je te fais. Oh, ce troll que je suis. Je ne suis rien d'autre qu'un troll pour toi. Ah, pardon. Je dis tellement de merde que ça me fait rire en fait. Ah, c'est pas évident ces conneries. Hein. Ah, je me rappelle de ce passage, il m'avait traumatisé. Enfin, traumatisé, c'est un bien grand mot. C'est juste que je m'en souviens en fait, c'est pour ça. Si je m'en souviens, c'est pas pour rien. Poil au sein. Bah écoutez, on avance. Attention aux Vélosuporus qui peuvent spawn à tout moment. Qu'est-ce que je disais? Come on! You stupid animal! The stupid animal, c'est une réplique de John Marston. Ah mais ils sont deux là, non? Ah non, il est tout seul, Allez, viens là, putain de saloperie, bah. Ouais, mais t'es qu'un lâche aussi, ta mère te le dit souvent, ça. Allez, viens là, toi. Oh putain, là, il y a toute la famille de saloperies, là. Oh là, alors là, j'ai eu du skill. Là, tu fermes ta gueule, toi. Ah, toi qui disais que l'hostal, c'était un noob, etc, etc. Ah, là, t'as pas compris ce que j'ai fait, là. Ah, t'as pas compris ce que j'ai fait parce que j'étais trop rapide pour toi. Hein. Allez, je vais récupérer mon feu. Flamme doudoune. Ah merde. Si, c'est bien ce qui me semblait que je l'avais allumé ici. Flamme doudoune, allez, flamme doudoune. Flamme de Dune, c'est une expression aussi, hein. C'est Gandalf, c'est pas moi. C'est Gandalf qui l'a inventé. J'ai toujours trouvé ça ridicule. Le feu sombre ne vous servira à rien, flamme de Dune. Vous ne passerez pas. Vas-y, je vais le troll. Non. Oh, j'ai fait ça en héros de film. J'ai fait ça comme un héros dans les films. Ok, alors par où je passe maintenant? Ok, ça arrive là-bas. C'est un bébé, je crois. Je crois que c'est un bébé. Ok, ils sont deux. Heureusement que j'ai pas gardé le fusil à lunettes. J'aurais été bien emmerdé là. Allez, venez, bande de salopes. Come on! Ah merde. Ils sont pas assez cons pour aller dans le feu. Hein. Ah lui, je sais pas ce qu'il lui a pris. Je sais pas ce qu'il lui a fait lui, mais faut arrêter l'alcool. Hein. Ah, faut arrêter. Ça, c'est un gros, ça, en fait. Oh. Merde. Allez, viens là. Ah putain,
de saloperie, hein. Chier. Ça fait chier d'utiliser des munitions quand tu pourrais les avoir autrement. Le problème, c'est les bébés là qui me font chier là. Allez, venez les saloperies là. Ah, bah je peux les tuer comme ça? Oh, ça va plus vite. Ok, okidoki, okidoki. C'est bon là, le spawn là, ça a arrêté. Il y a un abri ici au cas où. Et là-bas, je vois qu'il y a un truc pour se mettre à couvert. Je vais me dépêcher parce que ça arrive. Oh là, un T-Rex! Oh, héros de film américain. Je suis un héros comme dans les films. Comme dans les films, je suis un héros. Deux chargeurs en réserve. Putain. Wow, cette musique. Apparemment, il y aura un Tyrannosaurus Rex dans les parages. Alors, vous avez remarqué que j'ai rien dit, c'était pour vous faire profiter de l'ambiance. Apparemment, il y a un Tyrannosaure ici. Oui ou non? T'es sûr de ton coup là? Ouais, j'entends des bruits. C'est ce qui a effrayé les brachiosaures de la famille des Brachiosus. Je le vois pas. Terrifiant comme ambiance. Alors à mon avis ça va pas me demander beaucoup de place sur mon disque dur comme vidéo, parce que quand je vois la brume là, tout cet effet de brume qui a été comment dire mis en place pour cette pour la réalisation de ce niveau, ça devrait m'épargner plusieurs comment dire gigaoctets au niveau de la taille de la vidéo. Par contre je peux plus passer là. En fait, j'aurais bien aimé voir le T-Rex, moi. Ah, je suis comme un gamin de 8 ans, je sais, mais bon, j'ai envie de voir le T-Rex, moi. Je regarde pas Jurassic Park pour voir des vaches et des chèvres. Je regarde Jurassic Park pour voir des T-Rex, moi. Jimmy. Oh, non, 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 Jimmy, 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 putain, Jimmy. Bah, écoutez, 24 minutes, on va faire l'épisode de Jimmy sur l'épisode précédent. Voilà. Donc là, je vais mettre en pause. Et je vais vous dire à la prochaine, chers Zinc, pour la suite de l'aventure suivie sur King Kong.